Ah, il est timide. Ouais. Pas sûr que le critique soit déterminant, mais j'aurais bien aimé voir sans le critique quand même. Que même Giga Drain tue pas, tu vois. Après, dans Slur, ça tape fort quand même. Je sais pas, je suis. Ça tape à 120 dans ce fleur, hein, mine de rien. Ouais, moi je pense que ça tue à mine de rien quand même. Je collectionne des canards, salut à toi. Moi, est-ce qu'on peut monter à 1000 viewers comme chez. Comme chez Ken Bogard? Ce serait magnifique. Moi, je lance le hashtag 1000 viewers pour Mr. Timoth. Allons-y. Nouveau hashtag. Eh, si c'est un Kangourex méga, oulala, Din, tu vas m'entendre. Salut Brainstorm. Ouais, mais c'est entré Hazard. Par contre, lui, il a rien pour les retirer. Adieu le Trousselin. Bah oui, hein. Oulala, Dean. Voilà, Martine. Ça sent tellement le méga Kangashkan. Ouah, Munja. Bonjour, Munja. Adieu Munja. LOL. Mais quoi, c'est super efficace. Il a la ceinture force évidemment. Feu follet, lol. Vous voulez voir comment je vais tuer le Munja? Regardez. Blaze. Arcanin, le BG. On met les rocs. Bah, la brûlure, c'est pas un problème. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il risque la tôle pour longtemps. Ouais, mais oui, mais après, il le sait, hein. Je vous dis, le mec est pas con. Le mec le sait ce qu'il risque. Après, ça l'amuse, ça l'amuse. Mais je vous assure, le mec qui hack et qui arrive à faire ça, il est vraiment pas con. Bonjour, Motisma. Au revoir, Motisma. Et heureusement que je suis brûlé. Hein. Donc là, ça va être Munja. Voilà, allez, casse-toi. Hop là! Disparition de la bar mitzvah. Alors, Samy, Greb Spazo a piraté le compte de Maître Armand. Tisma est déjà à midlife, hein. Sans jaille. Ah bah oui, one shot par les PDR. Bien sûr, il va me tuer, on sait pas pourquoi. Ah non, c'est bon. Je remets un petit coup de draco queue. Allez, casse-toi. Tout est shiny, tout est dégueulasse. Méga Kangourex. Qu'est-ce que je fais? Un méga Kangourex, le mec se fout de méga. Par contre, le Kangourex, il va s'en jailler là. Hein. Voilà, vas-y. Prendre casque brut de peau dure. Méga Kangourex, quoi.
Méga Kangourex, le manque de respect. Je vous l'avais dit, hein. On joue en overuse, les mecs, hein. On tournait faire du 2v2, hein, c'est pour jouer Méga Kangourex, hein. Je sais pas qui va envoyer, mais c'est quelqu'un qui va pas... Il va s'ambiancer sur les PDR, voilà. Motisma. Oh, puis si j'arrive à lui claquer une petite brûlure, on est bien. Brûle, brûle, chien pourri, voilà. Je l'avais annoncé, hein. La brûlure, adieu. Ah bah oui, non mais si Webedia perd de l'argent, Webedia s'en mêlera, ça c'est sûr, mais... Donc lui, il veut me bolt strike la gueule. Voilà, éclair fou, c'est pas stabé, mais il est peut-être bander, hein, mais... S'en jaille. Qu'est-ce qu'on s'en jaille, putain. Mon dieu, l'éclate. Ah, mais il me reste lui derrière. Oh, c'est plié la game. Bah après, ça dépend. C'est clair que s'il s'attaque à plusieurs personnes, il y a des gens qui vont essayer de le trouver, mais... C'est pas où il est, vous savez. Quelqu'un qui fait des DDoS... Depuis aussi longtemps que lui, concrètement, s'il a pas été attrapé maintenant, je vois pas pourquoi il le serait dans 3-4 mois, tu vois, donc... Crocodile. Oh, il est moche, dégueulasse, quoi. Oh, please. Ouais, l'intimidation. Ce n'est pas grave, parce que j'ai dans Slam. Voilà. Au moins, je sais qu'il a pas impudence, donc il pourra me tuer s'il veut. Il peut s'enjailler, c'est pas grave. Un chèque séisme, ça va le mettre bien quand même. Voilà. Tricherie, ça tue pas. Coup critique. Hein. Ma foi. Ne suis-je pas habitué au coup critique? Après tout. Même toutes les personnes qui l'a hacké. Primer des vidéos et détourner de l'argent stream. Mais de toute façon, la police ne peut rien faire s'il utilise des serveurs à distance hébergés dans d'autres pays. Vous voulez faire quoi, concrètement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il a essayé d'envoyer des mails à Twitter, etc. Bien sûr. Il a déjà tout fait. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours, mais... Faut protéger ses identifiants, ses données, etc. etc. quoi. Ouais, on a vu Karchak, il a un mec, il avait un VPN en Italie, mais là on ne parle pas de VPN en Italie, on parle de VPN qui sont bien plus loin et inaccessibles. Des VPN qui font pas partie de la communauté européenne, des VPN... voilà. Oui, Frigel a bien réussi à récupérer son compte, bien sûr. Après, en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est les motivations. Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est juste pour s'amuser? Dans ce cas-là, c'est nul. Ou est-ce qu'il a des vraies revendications? Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Moi, j'ai pas vu clairement de revendications de voilà, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Donc, voilà. Après, je pense que c'est juste pour s'amuser. Ça, il veut peut-être prouver que, en termes de hack. Il sait y faire et peut-être voilà, essayer de se faire recruter par des sites pour gérer la sécurité
sur internet de certains groupes. Tu vois, comme Microsoft avait déjà engagé des hackers, hein, bien sûr. Bien sûr, donc voilà, peut-être c'est ça son délire, de prouver à Twitter que leur sécurité, à Twitter, Google, que leur sécurité est pas aux petits oignons et optimale. Et du coup, et du coup leur prouver ça, quoi. Votre avis, Michael ? Oui, bah, attendez.